Je ne voulais vraiment pas jouer. I really didn't want to play. Non, ce n'est pas bien. No, it's not right. J'ai un chat et un chien. I have a cat and a dog. Je le veux. I want it. J'ai un reçu. I have a receipt. C'est pour toi. It's for you. Je vois mal. I have weak sight. Je veux davantage. I want more. Fais quelque chose. Do something. Je n'aime pas vos amis. I don't like your friends. Qu'il est grand. How tall he is. Je sais qu'il l'a fait. I know he did it. Mon père est grand. My father is tall. Je dois le savoir. I must know. Il ne semble pas très fatigué. He does not seem to be very tired. Vous avez l'air plus jeune. You look younger. Hier, il a écrit une lettre. He wrote a letter yesterday. Ils ne sont pas encore là. They aren't here yet. Personne n'était là. No one was there. Il l'a essayé avec un ami. He tried it with a friend. Il cherche un bon travail. He is seeking a good job. Je n'ai pas envie de manger. I don't feel like eating. Je suis un homme. I'm a man. Je n'aime pas ce nom. I don't like that name. Que veut dire cette phrase What is the meaning of this phrase J'ai perdu mon chien. I lost my dog. Je pense voir le problème. I think I see the problem. Je veux te parler. I want to talk with you. Je ne comprends vraiment rien. I really don't understand anything. Par ici. Walk this way. Non. Juste un. No. Just the one. Fais comme on te dit. Do as you're told. Je ne prie rien. I didn't take anything. Il nous faut mieux faire. We have to do better. Je n'ai pas assez. I don't have enough. Il parle un peu anglais. He speaks English a little. Il a trois fils. He has 3 sons. Je vis quelque chose. I saw something. Je vais acheter une voiture. I will buy a car. Je veux vous apprendre quelque chose. I want to teach you something. Il n'a pas l'air heureux. He doesn't look happy. Nous avons beaucoup à faire. We have lots to do. Il est petit et gros. He's short and fat. Elle aime le café. She loves coffee. Ne fais confiance à personne ici. Don't trust anyone here. Je pense que c'est vrai. I think that's right. Tu me fais mal. You hurt me. Elle ressemble beaucoup à sa mère. She closely resembles her mother. Je parle un peu anglais. I can speak English a little. Elle ne l'a jamais vu. She never saw him. Je ne m'en rappelle rien. I do not remember any of it. Je n'ai pas de chat. I don't have a cat. Je suis très heureux maintenant. I'm very happy now. Je sais ce qu'elles ont dit. I know what they said. Personne ne m'a vu. Nobody saw me. Il n'a rien vu. He didn't see a thing. J'ai mal aux yeux. My eyes hurt. Je ne pensais pas à mal. I meant no harm. Je comprends cela. I understand that. C'est là que je suis né. This is where I was born. C'est mon frère, pas mon père. He is my brother. Not my father. Il en sait trop. He knows too much. J'ai fait de mon mieux. I did my best. Il fait très beau. He is very handsome. J'ai aimé parler avec elle. I enjoyed talking with her. Le travail était très difficile. The work was very difficult. Je suis juste derrière toi. I'm right behind you. Sens ça. Feel this. Elle n'a rien vu. She didn't see a thing. Peu reste à faire. Little remains to be done. N'en faites pas à personne. Don't share this with anyone. J'ai vraiment besoin de vous parler. I really need to talk to you. Je me suis fait avoir. I fell for it. Vous avez l'air très bien. you're looking very well. je suis fatigué du travail. i am tired of the work. just un petit peu. just a little bit. tout le monde aime la musique. everybody loves music. je déteste mes parents. I hate my parents. Le déjeuner sera bientôt prêt. Lunch will be ready soon. Et le garçon l'a fait. And the boy did. Ce n'est pas juste. That's not fair. C'est exactement ce que je pensais. That's exactly what I thought. Il en a toujours été ainsi. This is always the way it has been. Je suis français. I am French. Il va à l'école. He goes to school. Jamais elle ne me le dit. She never told me. C'est exactement ce que je voulais. It's just what I wanted. C'est mon père. He's my father. Fais comme tu veux. Do as you like. Il est encore en vie. He's still alive. Que veut dire cette phrase? What does this sentence mean? Tu m'as eu. You got me. Je veux vous parler. I want to talk with you. Cette fille a l'air d'un garçon. That girl looks like a boy. Je la vis de nouveau. I saw her again. Chaque chien a son jour. Every dog has his day. Je ne sais pas l'anglais. I don't know English. Vous avez bien entendu. You heard correctly. Beau travail. Good job. Notre professeur aime sa nouvelle voiture. Our teacher likes his new car. Je crois cet homme perdu. I believe this man is lost. Je veux le faire ce soir. I want to do it tonight. Elle veut vraiment y aller. She really wants to go. Où est ma voiture? Where is my car? Je vais bien. Et toi? I'm fine. How about you? Sois gentil. Be nice. Elle vient juste de partir. She just left. Tout va bien? Are you alright? C'est juste devant tes yeux. It's right in front of your eyes. Fini de jouer. The game is over. Je n'en ai plus besoin. I don't need it anymore. J'ai mangé avec mon petit frère. I ate with my baby brother. J'ai quelque chose que tu veux. I have something you want. Quel est votre problème? What is your problem? Qui a fait ça? Who did this? Je ne voulais pas savoir. I didn't want to know. Cette robe vous va bien. That dress looks good on you. C'est ce que je pensais. That's what I thought. Je suis toujours votre amie. I'm still your friend. Vous n'avez pas besoin de parler. You don't have to talk. Elle a tout perdu. She lost everything. Il fait ça tout le temps. He does this all the time. Je vais y aller avec vous. I'll go with you. Je rêve de vous assez souvent. I dream about you quite often. Je ne peux en faire davantage. I can't do any more. Je pense qu'il nous faut parler. I think we need to talk. Je n'ai rien à faire. I have nothing to do. Je ne fais que regarder. I'm just looking. Il doit parler anglais. He has to speak English. Je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. I'm feeling much better today. J'ai donné ta voiture. I gave your car. Tout s'est bien passé. Everything came out okay in the end. Il a besoin de vous. He needs you. Elle n'a rien dit du tout. She did not say anything. Quelqu'un fera ce travail. Someone will do that job. Vous allez avoir du mal. You'll have a rough time. Je connais ton père. I know your father. Tu n'es pas allé très loin. You didn't get very far. Ce n'est pas bien du tout. This is not good at all. Tout était très bon. Everything was very good. Je vais à la maison maintenant. I'm going home now. Je dois vous parler. I've got to speak to you. Nous sommes ses enfants. We are his children. C'est ce que je suis. It's what I am. Soit tu vas, soit je vais. Either you go, or I go. Il est père de deux fils. He is the father of two children. Fais de ton mieux. Do your best. J'ai beaucoup d'argent avec moi. I have plenty of money with me. Je voudrais te voir demain. I'd like to see you tomorrow. J'ai beaucoup de choses à faire. I have a lot of things to do. Il n'y est presque jamais allé. He almost never went there. Bon travail. Good work. Je vous aime tous les deux. I love both of you. Je ne joue pas. I don't gamble. Personne ne parle plus cette langue. No one speaks this language anymore. C'est tout pour aujourd'hui. That's all for today. Comment va votre travail? How's your job? Je suis trop vieille pour vous. I'm too old for you. Ça ne fait rien. It doesn't matter. Mon chat est mort hier. My cat died yesterday. Je n'en ai pas le temps. I don't have the time. Vous êtes plus grand qu'elle. You are taller than she. Je suis contre. I stand against it. Qui est ce garçon? Who is this boy? Je vous suis en partie. I can follow you partly. Il vous faut partir. You have to go. Je veux acheter une nouvelle voiture. I want to buy a new car. Ce qui est fait, est fait. What's done is done. Je veux être toi. I want to be you. Je dois aller manger quelque chose. I need to go eat something. Je voulais quelque chose à manger. I wanted something to eat. il a écrit une lettre hier. he wrote a letter yesterday. qui a écrit cette lettre who wrote this letter ça va pas le faire. we're not gonna make it. il n'en fut pas heureux. he was not happy about it. Tout va bien? Are you all right? Maintenant, je la déteste. I hate her now. Je voudrais venir vous voir. I would like to come and see you. Je dois manger, aussi. I have to eat, too. Je dis qu'il pourrait y aller. I said he could go. Je crois en lui. I believe in him. Personne ne l'a vu venir. Nobody saw it coming. N'y pense même pas. Don't even think about it. Elle l'a essayé avec un ami. She tried it with a friend. Elle n'a presque rien mangé. She hardly ate anything. J'ai trouvé ceci sous votre lit. I found this under your bed. Elle était seule dans la maison. She was alone in the house. Je n'aime pas ça non plus. I don't like that either. Le chat n'est pas mort. The cat is not dead. Je serai dans ma chambre. I'm going to be in my room. Je pensais être seul, ici. I thought I was alone here. Nous sommes ses enfants. We are his children. Je vous ai vu avec lui. I saw you with him. Je vais prendre ma voiture. I'm going to take my car. Ça me va. I'm fine with it. Ça n'est jamais arrivé. That never happened. J'étais fatigué aujourd'hui. I was tired today. Il écrit une lettre. He writes a letter. C'est tout pour aujourd'hui. That's all for today. Je les aime. I like them. Personne ne sait son nom. No one knows his name. Il est très jeune. He is very young. Je ne travaille pas. I am not working. Il sera bientôt là. He will be here soon. Je vous envie. I envy you. Je ne peux pas le savoir. I can't know it. Faites comme il vous dit. Do as he tells you. C'est ce que je veux. This is what I want. Tu m'as entendu? Did you hear me? Faites bon voyage. Have a safe trip. Tu sais que je dois partir. You know I have to go. Non. Juste un. No. Just one. J'ai également quelque chose pour vous. I have something for you, too. Il parle un peu anglais. He speaks English a little. Je l'ai lu à ma famille. I read it to my family. Ce sont mes parents. These are my parents. Je ne m'en vais pas. I'm not going. Tout le monde est heureux. Everyone is happy. Je ne peux pas. I can't. Elle est juste derrière vous. She's right behind you. Ils ont commencé en même temps. They started at the same time. Il travaille de nuit. He works at night. Ceci est une belle maison. This is a beautiful house. Elle m'appelle de temps en temps. I get a call from her once in a while. Je voudrais ce livre. I would like this book. Tu devrais travailler fort. You should work hard. Je vais bien maintenant. I'm feeling fine now. Tu dois partir. You must go. Je ne peux pas me rendre. I can't give up. Elle a encore plus de livres. She has even more books. Si tu le dis. Whatever tout nouveau, tout beau. A new broom sweeps clean. J'ai envie de partir en voyage. I feel like going on a trip. Elle en veut davantage. She wants more. C'est le garçon le plus grand. He is the tallest boy. Quelle jolie photo. What a beautiful picture. Je n'en ai même pas. I don't even have one. Quelle jolie petite fille. What a cute little girl. Je ne parle pas anglais. I don't speak English. Il y a un chien. There's a dog. Je compte sur toi. I'm counting on you. J'ai beaucoup à faire aujourd'hui. I have a lot to do today. Il veut parler. He wants to speak. Viens à la maison. Come to my house. Je lui ai demandé son nom. I asked him his name. J'ai terminé le travail hier. I finished the work yesterday. Elle lui a donné beaucoup d'argent. She gave him a lot of money. Il me l'a donné pour rien. He gave it to me for nothing. J'ai mal à la tête. I've got a headache. Il va bien. He is doing well. Ça vient de sortir. It just came out. Il faut le faire. It has to be done. Je vous ai vu avec elle. I saw you with her. J'ai appris à vivre sans elle. I learned to live without her. Ne lui en parle pas. Don't tell her about it. C'est pas vrai. You cannot be serious. J'ai été d'accord avec elle. I agreed with her. J'ai une fille. I have a daughter. On ne peut en dire plus. No more can be said. Personne ne regarde. No one's watching. Vous êtes une femme. You are a woman. Je veux juste vous le rendre. I just want to make it up to you. Il ne sait pas nager. He cannot swim. Je l'ai mis dans ta chambre. I put it in your room. Nous y sommes bientôt. We're almost there. Il n'est pas une mauvaise personne. He's not a bad person. Trouve le chat. Find the cat. Moi j'ai besoin de savoir. I need to know. Autre chose. Need anything else? Je n'aime pas cette phrase. I don't like that sentence. Le train est arrivé à temps. The train got in on time. C'est bon pour moi. It's okay with me. On y est. Here we are. Je vous ai vu avec lui. I saw you with him. Elle fit ce qu'on lui dit. She did what she was told. Je n'ai pas le temps. I don't have time. Je crois qu'il est heureux. I believe that he's happy. Et après? What happens next? Et pourquoi? And for what? Je suis prêt pour partir. I'm ready to go. Je pense fort à elle. I think about her a lot. À qui sont ces livres? Whose books are those? Elle veut vraiment y aller. She really wants to go. Je veux le faire bien. I want to make it right. Je ne sais que faire ici. I don't know what to do here. Il me faut un travail. I need a job. Tu dois partir. You have to go. Il n'a aucun ami. He doesn't have any friends. Elle m'a laissé partir. She let me go. Je vois la maison. I see the house. J'ai oublié son nom. I've forgotten his name. Personne ne parle plus cette langue. No one speaks this language anymore. Ma fille veut un petit chat. My dog there wants a kitten. Il me faut le savoir. I need to know. Je ne vous ai jamais vu. I never saw you. Où est mon livre? Where is my book? Où est ta chambre? Where is your room? Je vous adore tous. I love you all. Il fut mon premier petit ami. He was my first boyfriend. Ce n'est pas que ça. It's not just that. Ce n'est pas trop. It's not too much. C'est ce que je veux. This is what I want. Je suis sûr de son nom. I'm sure about his name. Elle parle très bien anglais. She speaks English very well. Je dois partir maintenant. I must leave now. Je ne comprends pas. I don't understand. Il ne faut jamais dire jamais. Never say never. J'ai mal à la tête. I have a headache. Il parle mieux l'anglais que moi. He speaks English better than me. Ce n'est pas juste. This isn't fair. Je n'ai besoin de personne. I don't need anyone. Je dois le voir. I have to see it. Faites ça comme ça. Do it this way. Je suis dans la maison. I'm in the house. Il fait bon ce soir. The weather is nice tonight. Je comprends votre problème. I understand your problem. Il peut parler français et anglais. He can speak French and English. Cela va sans dire. That goes without saying. Il m'a appelé presque chaque jour. He called me up almost every day. Je crois qu'il l'a fait. I think he has done it. Je n'ai pas d'argent. I have no money. J'étais occupé hier. I was busy yesterday. Je déteste vraiment ça. I really hate this. Faites de votre mieux. Do your best. J'ai parlé avec tout le monde. I talk to everybody. Je veux manger quelque chose. I want something to eat. C'est notre maison. That's our house. Je préfère aller nager. I prefer to go swimming. Il se montre difficile avec moi. He is giving me a hard time. Je vais être votre professeur. I'll be your teacher. Il sait nager. He knows how to swim. C'est une belle femme. She's a beautiful woman. Je viens ici chaque jour. I come here every day. Quel était le problème? What was the problem? Il semble heureux. He seems happy. C'est bon de vous voir. It is good to see you. Vous pouvez y aller. You may go there. Je suis français. I'm French. Je travaille pour toi. I work for you. Ma mère aime beaucoup le thé. My mum likes tea very much. Il veut lire un livre. He wants to read a book. La vie n'est pas juste. Life's not fair. Il fait ça tout le temps. He does this all the time. Je dois faire le petit déjeuner. I have to prepare the breakfast. Ton chien est très gros. Your dog is very big. Ne parle pas. Don't talk. Cette robe vous va bien. That dress looks good on you. J'ai écrit une lettre. I wrote a letter. Je voudrais le voir. I would like to see it. J'ai aimé parler avec elle. I enjoyed talking with her. Vous êtes très bon. You're very good. C'est mon frère, pas mon père. He is my brother, not father. Je ne peux le faire maintenant. I can't do that now. Où est ta maison? Where is your house? Il n'y est presque jamais allé. He almost never went there. Tu ne connais rien du monde. You know nothing of the world. Je pensais qu'il était là. I thought he was here. Je l'ai acheté. I bought it. Je crois que c'est vrai. I believe it to be true. Je veux les acheter toutes. I want to buy them all. Chaque personne est un monde. Each person is a world. Vous le faites comme il faut. You're doing it right. Ça m'a fait peur. It sure scared me. Tu ne m'as pas tout dit. You didn't tell me everything. Je le connais. I ken him. Je n'ai aucune question. I don't have any questions. Même ma mère le sait. Even my mom knows. Je déteste cette chose. I hate this thing. Il travaille très fort. He works very hard. Comment vont tes parents How are your parents doing Je pensais vous trouver ici. I thought I'd find you here. Nous ne pouvons pas le faire. We cannot do that. Tu me prends pour qui? Point what do you take me for? Là n'est pas la question. That's beside the point. Il n'y avait personne. There was nobody. C'est si gros. It's so big. Je l'ai fait. I've done it. J'ai vraiment besoin d'un verre. I really need a drink. Je n'aime pas l'école. I don't like school. Il parle anglais et français. He speaks English and French. Je suis plus vieux que lui. I am older than him. Vous devez aller à l'école. You must go to school. Ce n'est pas le seul problème. That's not the only problem. Qui a eu cette idée? Who had this idea? Je n'aime pas l'école. I don't like school. J'ai perdu mon sac. I've lost my bag. Tu peux aller où tu veux. You can go any place you like. Vous avez l'air si beau. You look so handsome. Je veux acheter une nouvelle voiture. I want to buy a new car. Tu fais quoi? What are you doing? Tu as peur, pas vrai? You're afraid, aren't you? C'est pour vous. This is for you. Tu dois travailler. You must work. Je lui ai rendu son livre. I returned his book to him. Allons déjeuner. Let's have lunch. Sois juste. Be fair. Ce n'est rien. No problem. Il n'y a rien ici. There's nothing there. Mère est loin de la maison. Mother is away from home. Je dois bientôt partir. I've got to leave soon. J'ai envie de partir en voyage. I want to go somewhere on a trip. C'est en trop. It's redundant. Pas mal. Well done. Je veux en parler maintenant. I want to talk about it now. Je n'ai encore rien trouvé. I still haven't found anything. Il a peur du chien. he is in fear of the dog. vous serez toujours là. you will always be there. je me sens seul. i'm lonely. je serai toujours là pour toi. i will always be there for you. j'ai oublié de faire quelque chose. I forgot to do something. C'est vrai. Correct. Ce qui est fait est fait. It's no use crying over spilt milk. Je ne parle pas ainsi. I don't talk like that. Passe devant. Go ahead. Je suis juste arrivé hier. I just arrived yesterday. Ils ne sont pas encore là. They aren't here yet. Vous pouvez partir. You may go. Allez le voir en personne. Go and see him in person. Ce n'est pas si loin. It's not so far. Je l'ai fait pour vous. I did it for you. Maintenant, je n'ai pas le temps. Right now, I don't have any time. Vous pouvez prendre le livre. You may take the book. Je veux un petit ami. I want a boyfriend. Je l'ai appris à l'école. I learned it in school. Il s'est acheté un chien. He bought himself a dog. Je le pense aussi. I think so, too. Il te faut le faire aujourd'hui. You have to do it today. Je vous dois un déjeuner. I owe you a lunch. Ça n'a pour moi aucun sens. This doesn't make any sense to me. Je suis venu pour toi. I came for you. Nous devons faire quelque chose. We must do something. Ce n'était qu'un rêve. It was only a dream. Que faire? What to do? Je le vis. I saw him. Sa famille est très grande. Her family is very large. Non, juste un. No, just one. Tu me fais mal. You're hurting me. Tu peux lire ce livre. You can read this book. Je ne voulais pas savoir. I didn't want to know. Ils ont peu de livres. They have few books. Je pense à toi. I'm thinking of you. Nous n'avons vu personne. We haven't seen anyone. Tout le monde le faisait. Everyone was doing it. Je vais chez moi. I go home. Je n'ai jamais dit cela. I never said that. J'ai quelques amis. I have a few friends. Je lui ai parlé. I talk to her. Je n'en crois rien. I don't believe any of this. Tu as l'air si beau. you look so beautiful. _vous n'avez rien dit._ you said nothing. _c'est comme si c'était fait._ it's as good as done. _je pensais ce que j'ai dit._ i meant what i said. _j'ai vu cela._ i saw that. Regarde le garçon derrière la voiture. Look at the boy beside the car. C'est pour toi. This is for you. Où est le problème? Where is the problem? Il était grand temps. It was about time. C'est pas vrai. You can't be serious. Je ne sais plus quoi faire. I don't know what to do anymore. Tout le monde était heureux. Everyone was happy. Je suis très heureux d'être ici. I'm very happy to be here. J'ai une fille. I have a daughter. Quel est ton nom? What's your name? Je veux aussi savoir. I also want to know. J'ai mal aux yeux. My eyes hurt. Elle n'a aucun vrai ami. She doesn't have any real friends. Elle a pris son temps. She took her time. Tu dois déjà aller au lit. You need to go to bed again. Elle me l'a dit. She told me about it. Que dit le garçon? What did the boy say? Je l'ai déjà rencontré. I have met him before. Je sais tout de vous. I know all about you. Tout le monde était heureux. Everyone was happy. Il nous faut partir. We have to go. Je pense que c'est vrai. I think it's true. Beaucoup reste encore à faire. Much still remains to be done. Tu ne me crois pas Don't you believe me Maintenant, je me sens bien. I'm feeling fine now. Je n'ai pas besoin de bureau. I don't need an office. Il a trois fils. He has three children. Tout est si nouveau pour moi. Everything is so new to me. Je suis après lui. I am after him. Je ne peux pas manger davantage. I can't eat anymore. C'est déjà un homme. He's already a man. Je ne sais pas vraiment. I don't really know. Elle ne vit pas avec lui. She doesn't live with him. À qui sont ces livres? Whose books are those? Il n'y avait personne. There was nobody there. Je pense que tout est prêt. I think everything is ready. Tu as entendu ta mère. You heard your mother. Elle n'est pas encore là. She's not in yet. Elle n'a rien vu. She didn't see a thing. Vous devez venir avec moi. You must come with me. Ma maison est ta maison. My home is your home. C'est trop fort. It's too loud. Elle veut quelque chose de plus. She wants something more. Ma mère nous fait du thé. Mother is making tea for us. Il était trop vieux pour nager. He was too old to swim. Ne va pas là. Don't go there. C'est vrai aussi. That's true, too. Ce n'est pas assez bien. It's not good enough. Vous n'êtes pas mon père. You're not my father. Je fais souvent le même rêve. I often have the same dream. Je me trouve juste derrière toi. I'm right behind you. C'est là que je l'ai vue. It was here that I saw her. Il me faut vraiment m'en aller. I really ought to go. Je connais votre fils. I know your son. Je veux te parler. I want to talk to you. Faites ce que vous voulez. Do what you want. Je le connais de nom. I know him by name. Je suis un chat. I'm a cat. Comment vont tes parents? How are your parents doing? Ils ont maintenant trois enfants. Now they have three children. Je veux vous parler seul. I want to talk to you alone. Je ne te crois pas. I don't believe you. Non, ce n'est pas bien. No, it's not right. Vous pouvez aller où vous voulez. You can go any place you like. Je n'aime pas ce livre. I don't like this book. Faites ce qu'il dit. Do what he says. Ce n'est pas un mauvais garçon. He's not a bad boy. Je n'ai pas de problème. I'm not in trouble. Personne ne savait vraiment quoi dire. No one knew quite what to say. Je vous aime comme un fils. I love you like a son. C'est là que je suis né. That's where I was born. Il n'y a personne, là. There is no one there. Elle ne me dit pas tout. She didn't tell me everything. Tu veux partir? Do you want to go? Il m'a eu. He tricked me. Il vous regarde toujours. He's always looking at you. C'est ma soeur. She's my sister. J'ai mangé avec mon petit frère. I ate with my baby brother. Où se trouve ton père Where is your father? Je ne peux en faire davantage. I can't do any more. C'est ici qu'il joue. He is playing here. Tout le monde compte sur toi. Everybody is relying on you. Je voudrais faire davantage. I would like to do more. Ça n'a pas de sens. This doesn't make sense. Personne ne le sait. Nobody knows this. Ce n'est pas le seul problème. That's not the only problem. Je devrais vraiment y aller. I really should be going. Elle est tellement jeune. She's so young. Je n'aime pas vos amis. I don't like your friends. Je ne dis rien. I'm not saying anything. Nous n'en avons plus besoin. We don't need it anymore. Je n'arrive pas à faire ça. I can't do that. Je n'y crois pas vraiment. I don't actually believe that. Il m'a demandé de le faire. He asked me to do it. Ce livre est vraiment vieux. This book is really old. Ce n'est rien pour moi. It is nothing to me. Tu peux partir comme tu veux. You can go however you like. Ils ont peur de la mort. They are afraid of death. C'est la chambre de qui? Whose room is this? Je n'ai jamais pensé à ça. I never thought of that. J'étais comme vous. I used to be like you. Ne me parle pas comme ça. Don't talk to me like that. Nous avons fait de notre mieux. We tried our best. C'est quoi? What's this? N'en parle à personne. Don't talk to anybody about this. Personne n'était là. No one was there. Faites ce qu'il vous dit. Do what he tells you. Je n'ai pas encore mangé. I haven't eaten yet. Ce livre est nouveau. This book's new. J'ai un travail pour vous. I have a job for you. Je suis trop gros. I'm too fat. Quelque chose doit être fait. Something has to be done. Tu as l'air si belle. You look so beautiful. Vous pouvez partir si vous voulez. You can go if you want to. Vous n'avez pas l'air très bonne. You don't look very good. Il aime beaucoup la musique. He likes music very much. Je ne l'ai dit à personne. I haven't told anyone. Vous devez trouver du travail. You must find work. Tu aurais dû venir hier. You had to come yesterday. Il vous faut travailler vite. You need to work fast. C'était tellement bien. That was so cool. Il en a besoin. He needs it. Nous n'avons pas besoin de vous. We don't need you. est très difficile Translating languages is very difficult. Si pas maintenant, alors quand? If not now, then when? J'étais heureux de la voir. I was happy to see her. Vous devriez acheter ce livre. You better buy that book. J'ai bien peur que non. I'm afraid not. C'est vraiment une bonne idée. That's really a great idea. Vous devriez le savoir. You should know it. C'est le garçon. This is the boy. C'est un bon garçon. He's a good boy. On n'y peut rien. It can't be helped. Il parle trop vite. He speaks too fast. C'est moi qui suis mauvais. It is I that am bad. J'ai un chat et un chien. I have a cat and a dog. Où est le problème? Where is the problem? Je veux quelque chose à lire. I want something to read. Personne ne regarde. No one's watching. Je ne peux pas. I can't. Ne lui en parle pas. Don't tell her about it. Je crois que c'est vrai. I believe it to be true. Je vais bien. I'm doing well. Comment était ton voyage? How was your trip? Je vais chez moi. I go home. Qui est cette femme? Who is this lady? C'est toi le plus vieux. You're the oldest. C'est quoi ton problème? What's wrong with you? Il a sa propre maison. He has a house of his own. Allez à la maison, maintenant. Go home now. Je l'ai rencontré avant. I have met him before. Je veux te le dire. I want to tell you. A qui est ce livre? Whose book is that? Vous avez acheté qui? Whom did you buy? Où est votre maison? Where is your house? Mon père aime le café fort. My father likes strong coffee. Il parle le français. He speaks French. C'est un problème. This is a problem. Il sera toujours avec toi. He will always be with you. Je ne peux faire mieux. I can't do any better. Tout le monde veut quelque chose. Everyone wants something. Il y a un chien. There is a dog. Il vit dans une grande maison. He lives in a big house. Ils ont deux filles. They have two daughters. Mais pourquoi? But why? Ce qu'il fit n'était pas mauvais. What he did wasn't wrong. Il se pourrait que je reste. I might stay. Je suis plus grand. I am taller. Je veux quelqu'un à qui parler. I want someone to talk to. C'est vieux comme le monde. It's as old as the world. Je me sens déjà mieux. I feel better already. Vous pouvez aller là. You may go there. Part immédiatement. Leave immediately. Ne sois pas un mauvais garçon. Don't be a bad boy. Personne n'a été d'accord avec moi. No one agreed with me. Il y a là un chat. There's a cat there. Je veux un peu d'argent. I want some money. Il n'est pas toujours heureux. He's not always happy. Personne ici n'a de voiture. No one here has a car. Il l'a fait à nouveau. He did it again. Je n'ai rien à faire ici. I don't belong here. Je te vis avec elle. I saw you with her. Il y est allé en personne. He himself went there. Je n'en crois rien. I don't believe any of this. Tu n'as rien dit. You said nothing. Il ne me l'a jamais demandé. He never asked me. J'ai perdu mon téléphone. I lost my phone. J'étais heureux de ces nouvelles. I was glad at the news. Nous n'avons rien appris. We didn't learn anything. Tu le connais? Do you know him? J'ai du temps. I have time. Je ne pensais pas à mal. I meant no harm. Je n'en sais rien. I don't know about that. Nous n'avons pas assez de temps. We don't have enough time. Je ne sais pas exactement. I do not know exactly. Il pourrait ne pas venir. He may not come. Où est ta chambre? Where is your room? Tu n'as rien dit. You didn't say anything. Je veux parler. I want to talk. Je ne crois pas. I don't think so. Qui sont ces gens? Who are those people? J'ai besoin de café. I need coffee. Ce thé est très bon. This tea is very good. Je le vis. I saw him. Il a assez d'argent. He has enough money. Faites un bon voyage. Enjoy your trip. Elle lui a donné une montre. She gave him a watch. Tout le monde compte sur toi. Everybody is relying on you. Je vous ai trouvé. I found you. Je ne travaille pas ainsi. I don't work like that. Elle y travaille. She's working on it. Il a écrit une lettre. He has written a letter. J'ai été gros. I used to be fat. Je n'aime pas vraiment en parler. I don't really like to talk about it. Allons dîner. Let's have lunch. Je vous la passe. I put you through to her. J'ai vu le chien. I saw the dog. J'ai lu les deux livres. I've read both these books. Je dois y aller seul. I must go alone. Je n'ai jamais été aussi bien. I've never been better. Elle avait l'air seule. She looked lonely. C'est bien. That a boy. Il y travaille. He's working on it. Elle avait confiance en toi. She trusted you. Je crois qu'il vient ici. I believe that he comes here. Je parle tout seul. I talk to myself. J'ai besoin d'un peu de temps. I need a little time. Je suis aimé de ma mère. I am loved by my mother. C'est vraiment une bonne idée. That's really a great idea. J'ai un travail pour toi. I have a job for you. J'ai besoin d'argent. I need money. Comment va ta mère? How's your old lady doing? Je pensais être seul, ici. I thought I was alone here. Sans problème. It's no problem. Il est juste derrière vous. He's right behind you. Bien vu. Well done. Je l'ai appris de toi. I learned it from you. Quelque chose ne va pas Is something wrong Je n'ai pas beaucoup d'argent. I haven't got much money. Je le vis. I saw him. Elle ressemble beaucoup à sa mère. She looks a lot like her mother. Le chien est à vous. The dog is yours. Que fait votre fils? What does your son do? Je lui ai tout dit. I told her everything. Je travaille sur sa voiture. I'm working on his car. Je suis belle. I'm beautiful. Je serai occupé demain. I'll be busy tomorrow. Je m'en souviens, maintenant. I remember it now. Tu dois également lire ce livre. You must read this book also. Elle le lui a fait faire. She made him do it. Je parle avec qui Who am I talking with Si tu veux parler, parle. If you want to talk, talk. C'est tout à fait juste. That's absolutely right. Je comprends ton problème. I understand your problem. J'ai également pris du bon temps. I had a good time too. Même ma mère le sait. Even my mom knows. Je veux faire ceci. I want to do this. Nous pouvons partir après le déjeuner. We can leave after lunch. C'est une mauvaise personne. She is a bad person. On dit qu'il était fort. He is said to have been strong. Je veux vraiment te voir. I really want to see you. Il en veut une. He wants one. Ça ne va pas assez loin. It doesn't go far enough. J'ai écrit ce livre. I wrote this book. Vous êtes grande. You are big. Je pense qu'il est fatigué. I think he's tired. Je pense que j'ai la réponse. I think I have the answer. Il nous connaît très bien. He knows us very well. Qui est ce garçon? Who is that boy? Ça ne va pas assez loin. It doesn't go far enough. Je me déteste. I hate myself. Je veux quelqu'un à qui parler. I want someone to talk to. Ils sont mes amis. They are my friends. Je n'y suis pas très bon. I'm not very good at it. C'est trop loin. It's too far away. Elle veut vraiment y aller. She really wants to go. Je suis allé là hier. I went there yesterday. Tout le monde regarde. Everyone's watching. Il n'a rien pour lui. There is nothing to him. C'était la nuit. It was night. Il a une voiture. He has a car. Je sais que tu as peur. I know you're scared. Je pensais que vous étiez parti. I thought you'd left. Je me sens seul sans toi. I'm lonely without you. Il se fit prendre. He got caught. Trop d'argent. Too much money. Il nous faut partir. We need to go. Ne me parle pas. Don't talk to me. Que faire What shall we do Je veux être là avec vous. I want to be here with you. Je sais qu'elle est belle. I know that she is beautiful. Je pense que non. I don't think so. Il semble n'en rien faire. He seems to make nothing of it. J'ai trop mangé. I ate too much. Il a acheté une voiture. He bought a car. Gros comment? How big? À quelle heure commence l'école? What time does school begin? Elle ne l'a jamais vu. She has never seen it before. Il doit parler anglais. He has to speak English. Et ta sœur? And your sister? Tu as la mauvaise personne. You've got the wrong person. Je leur ai tout dit. I told them everything. Tout le monde est parti. Maintenant. Everyone is gone now. Vous devriez faire ça bientôt. You should do that soon. C'est comme ça. That's the way it is. Je ne veux pas ton boulot. I don't want your job. Il fait beau aujourd'hui, comme demain. The weather today is great, as it will be tomorrow. Je ne connais pas ton nom. I don't know your name. Faites comme vous voulez. Do as you like. Il passe le temps. He idles away his time. Cette femme est très belle. This woman is very good looking. Je n'ai pas envie de manger. I don't feel like eating. Ce n'était qu'un rêve. It was only a dream. Elles le font comme il faut. They're doing it right. Je veux manger. I want to eat. Il aime le café. He loves coffee. Vous devez y aller aussi. You should go too. Je ne dis rien. I'm not saying anything. C'est un peu plus loin. It's a bit further away. Je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. I feel much better today. Faites ce qu'il dit. Do what he says. Je suis ton frère. I am your brother. Il est arrivé ici maintenant. He has arrived here now. J'ai besoin de quelque chose d'autre. I need something else. J'ai déjà lu ce livre. I have already read the book. C'est comme ça que c'est arrivé. That is how it happened. Je n'y crois vraiment pas. I really don't believe it. Il reste encore beaucoup à faire. Much still remains to be done. Je connais très bien votre frère. I know your brother very well. Elle veut avoir l'air plus jeune. She wants to look younger. Vous êtes plus grande qu'elle. You are taller than she. Vers quelle heure? About what time? Il lui faut parler l'anglais. He needs to speak English. Nous sommes ici depuis trois jours. We have been here since three days. Je n'aime pas ça. I don't like that. Vous êtes plus grand qu'elle. You are taller than she is. J'ai eu des choses à faire. I had things to do. Il n'a pas pu faire ça. He cannot have done that. Et maintenant au travail. Let's get down to business. Où sont tes parents Where are your parents? C'est une bonne chose. It's a good thing. Je dois travailler demain. I have to work tomorrow. Vous avez tout. You have everything. Tu peux venir avec moi. You can come with me. Vous êtes très bonne. You're very good. J'ai été heureux pour elle. I was happy for her. Ça n'a aucun sens. It makes no sense at all. Je n'y ai jamais pensé. I never thought about it. En un sens, c'est vrai. It is true in a sense. Je voudrais le voir. I would like to see it. Ne me parle pas comme ça. Don't talk to me like that. Il n'a rien vu. He didn't see anything. Je me sens bien. Maintenant. I feel fine now. Tu veux acheter un livre? You want to buy a book? Je l'ai fait pour toi. I did it for you. Je peux avoir un reçu? May I have a receipt? Il ne la vit jamais plus. He never saw her again. Je vais le voir demain. I'm going to see him tomorrow. C'est bon de te parler. It's good to talk to you. Aujourd'hui c'est pour moi. Today it is on me. Soyez gentil. Be nice. C'est vrai. That's a good point. Ce qui est fait est fait. Let bygones be bygones. Elle veut vous parler. She wants to talk to you. Elle a tout vu. She saw everything. Je n'ai pas beaucoup d'argent. I don't have much money. Je suis heureux de vous voir. I'm glad to see you. Je veux prendre mon petit déjeuner. I want to have my breakfast. Il vit ici tout seul. He lives here all alone. C'est elle qui me l'a dit. It was her that told me. J'ai quelque chose pour vous. I've got something for you. Je rêve de le voir ici. I dream of seeing him there. Il m'a laissé m'en aller. He let me go. Ma tête me fait vraiment mal. My head really aches. Je l'ai fait à sa demande. I did so at his request. J'ai reçu ta lettre hier. I got your letter yesterday. Il a perdu sa nouvelle montre. He lost his new watch. Nous avons un problème. We're having some problem. C'est un problème difficile. It is a difficult problem. Je vis quelqu'un. I saw someone. Je suis perdu. I am lost. Quelle est la bonne réponse? What is the correct answer? Je n'ai presque plus d'argent, maintenant. I have almost no money now. Tu fais quelque chose demain soir? Are you doing anything tomorrow night? Je viens ici chaque jour. I come here every day. Je n'en peux plus de l'anglais. I'm fed up with English. Je veux être à la maison. I want to be at home. Je vais te le dire. I am going to tell you that. Je comprends votre langue. I understand your language. Comment va ton père? How's your father? J'ai une famille. I have a family. Tu peux tout me dire. You can tell me anything. N'y pense même pas. Don't even think about it. Je pense avec ma tête. I think with my head. Elle ne l'a plus jamais vu. She never saw her again. J'étais gros comme toi. I used to be fat like you. Ils m'ont laissé partir. They let me go. Il m'a trouvé un bon travail. He found me a good job. Non, non, ça va. No, no, that's okay. Je me suis perdu. I got lost. Je vois une maison. I see a house. Je ne me sens pas bien. I don't feel well. Je me suis simplement tue. I just kept my mouth shut. Il n'y a rien là. There's nothing there. Tu devrais manger davantage. You should eat more. Je veux te voir. I want to see you. Elle n'a rien contre. She has nothing against it. Elle vous veulent mort. They want you dead. Elle est ici pour moi. She's here for me. J'ai parlé à mes parents. I spoke to my parents. J'ai oublié ça. I forgot about that. Il a écrit une lettre hier. He wrote a letter yesterday. Quelle belle ville! What a beautiful town! J'ai un problème avec ma voiture. I have a problem with my car. Il n'y a pas un chat. There isn't a cat. Ma fille veut un petit chat. My daughter wants a kitten. Tu dois ne pas le dire. You must not say it. Va à l'école. Go to school. Ta chambre est très grande. Your room is very big. Je lui ai trouvé un travail. I found him a job. Je comprends le problème. I understand the problem. Je n'ai pas de travail. I'm unemployed. Je te déteste. I hate you. Il sait que tu sais. He knows that you know. Je n'ai pas de sœur. I don't have a sister. Elle est trop vieille pour toi. She's too old for you. Tu la connais? Do you know her? Me parle pas. Don't talk to me. J'ai une maison. I have a home. Il le fait comme il faut. He's doing it right. Je suis plus grand que lui. I am taller than he. Je pense beaucoup à elle. I think about her a lot. C'est mon livre. The book is mine. Elle parle un bon anglais. She speaks good English. Faites un bon voyage. Enjoy your trip. Je suis allée à l'école. Hier. I went to school yesterday. Je ne la comprends pas. I do not understand her. Elle ne me l'a jamais demandé. She never asked me. Faites ce qu'elle dit. Do what she says. J'ai fini le travail hier. I finished the work yesterday. Je ne peux plus le faire. I can't do it anymore. J'ai une question. I have a question. Et vous? And you? C'est une question de bon sens. That's common sense. Il n'en était pas question. There was no question about that. Où est votre père? Where is your father? Vous êtes une femme. You are a woman. Tout le monde le sait. Everybody knows that. Je n'ai aucun ami. I don't have any friends. Je ne suis pas votre fille. I'm not your daughter. Tout est ici. It's all here. Je n'aime pas le café. I don't like coffee. Je n'aime pas vraiment en parler. I don't really like to talk about it. Je viens de le trouver. I just found it. Ma mère nous fait du thé. Mother is making tea for us. Je n'ai besoin de personne. I don't need anybody. Tu devrais aller lui parler. You should go talk to her. Il te faut être fort. You must be strong. C'est juste devant vos yeux. It's right in front of your eyes. On n'y peut rien. It can't be helped. C'est la vie. That's life. Allez chez vous, maintenant. Go home now. Pas à pas, on va loin. Take it one step at a time. C'est mon chat. This is my cat. Je vous l'ai déjà dit. I already told you. J'ai parlé avec tout le monde. I talk to everybody. Je sais tout ceci. I know all this. Je ne vais pas à l'école. I don't go to school. Il me faut vraiment y aller. I really ought to go. Elle se trouve juste derrière toi. She's right behind you. Il a écrit une lettre. He wrote a letter. Tu ne comprends pas, si? You don't get it, do you? Il est toujours très occupé. He is always as busy as a bee. Il me l'a donné pour rien. He gave it to me for nothing. Vous n'êtes pas encore mort. You're not dead yet. Je vis une maison au loin. I saw a house in the distance. Je pense souvent à elle. I think about her often. Je n'ai pas de famille. I have no family. Je ne prie rien. I didn't take anything. Je vous aime toutes. I love all of you. Il a perdu sa nouvelle montre. He lost his new watch. Fais ce que tu veux. Do whatever you want. Je sais ce que tu penses. I know what you're thinking. Elle a plus de livres. She has more books. Ce qui est fait est fait. What's done is done. Je ne le pense vraiment pas. I really don't think so. Qui vit dans cette maison? Who lives in this house? C'est difficile à dire. It's hard to tell. Il veut une nouvelle voiture. He wants a new car. Je suis un bon garçon. I am a good boy. Il était petit mais fort. He was small, but strong. Je n'ai pas besoin d'argent. I don't need money. Quelqu'un me l'a dit. Someone told me that. Ils n'ont rien à manger. They have nothing to eat. Je lui ai parlé hier. I spoke to her yesterday. Il était petit mais fort. He was small, but strong. Elle veut y aller. She wants to go. Je veux vraiment te voir. I really want to see you. Quoi encore What is it now Je prends mon livre avec moi. I'm taking my book with me. Ton petit ami travaille ici. Your boyfriend works here. Viens avec nous. Come along with us. Je ne suis pas occupé. I'm not busy. Ne faites pas ça. Don't do this. Je suis trop vieux pour vous. I'm too old for you. Elle va beaucoup mieux aujourd'hui. She is heaps better today. Il n'y avait personne. There was nobody there. Il l'a vu aussi. He saw it also. Nous sommes ici depuis trois jours. We have been here since three days. Ça a l'air bien. This looks good. Cela ne peut être vrai. That can't be true. Je ne sais pas même où. I don't even know where. Je vous dois beaucoup d'argent. I owe a lot of money. Passe devant. Go ahead. Il s'est décidé à y aller. He made up his mind to go there. Je me souviens de vous deux. I remember both of you. Il parle trop vite. He talks too fast. Ça ne peut être vrai. It cannot be true. Il veut partir. He wants to go. Je pensais tout savoir. I thought I knew everything. Il me faut te parler. I've got to speak to you. Il fait nuit. It's night. Sois juste. Be fair. Je pensais savoir quoi faire. I thought I knew what to do. Il est juste derrière toi. He's right behind you. Je n'ai pas dit cela. I didn't say that. Tout va bien. Everything's fine. Ça devrait le faire. That should do it. Personne ne me vit. Nobody saw me. Je vois une maison. I see a house. Je sais comment cela fonctionne. I know how this works. Je ne sais même pas pourquoi. I don't even know why. Quelqu'un doit le faire. Someone has to do it. Elle a beaucoup d'argent. She has a lot of money. Il y en a trop. There are too many of them. Tu as bien entendu. You heard correctly. Je veux un bon dictionnaire. I want a good dictionary. Tu devrais partir. You should go. Je dois y aller maintenant. I have to go now. Il est arrivé ici maintenant. He has arrived here now. Nous avons besoin d'argent. We need some money. Je n'ai aucune question. I don't have any questions. Je suis. I am. Personne n'est mort. No one died. Quelqu'un doit parler. Somebody has to talk. Je l'ai trouvé. I found it. Il veut venir. He wants to come. Il est bon en anglais. He is a good speaker of English. Ce fut son meilleur temps. It was her best time. Je n'aime pas qu'on me parle. I don't like to be spoken to. Je me souviens de quelque chose. I remember something. Je me suis fait prendre. I fell for it. À qui est ce livre Whose book is this Je te l'ai dit. I told you so. Je veux un peu d'argent. I want a little money. Allez dans votre chambre. Go to your room. Je veux rester avec toi. I want to stay with you. C'est une fille. This is a girl. Vous pouvez tout me dire. You can tell me anything. Il me faut vous parler seul. I must speak with you alone. On le connaît tous bien. All of us know him well. Où est tout le monde? Where is everybody? J'ai assez d'argent. I have enough money. Il veut partir. He wants to go. Je veux parler maintenant. I want to talk now. Elle avait peur du chien. She was afraid of the dog. Ce n'est pas nous. It's not us. Vous êtes belle. You are beautiful. Je me suis fait prendre. I fell for it. Il s'en est déjà allé. He has left already. Il est grand temps. It's about time. Je lui ai donné le livre. I gave him the book. Bonne nuit tout le monde. Good night, everyone. Il me faut vraiment m'en aller. I really ought to go. Le chien est comme mort. The dog is as good as dead. Je veux simplement être votre ami. I just want to be your friend. Quelqu'un a demandé après vous. Someone asked for you. Elle a acheté une nouvelle voiture. She bought a new car. Parle plus fort. Speak up. Faites comme on vous dit. Do as you're told. Il avait une fille. He had one daughter. Je dois y aller. I have to go. On peut leur faire confiance. You can trust them. C'est ce que je pensais. That's what I thought. Je pense qu'il nous faut parler. I think we need to talk. Ils ne nous aiment pas. He doesn't like us. J'ai quelque chose à faire. I've got something to do. Il ne voulait pas partir. He didn't want to leave. Tu me prends pour qui Point Who do you think I am? Je pensais être à l'heure. I thought I was on time. À qui sont ces chaussures? Whose shoes are these? Je l'ai vu. I did see him. Gros comment? How big? Je comprends ton problème. I understand your problem. Le père est dans son bureau. Father is in his office. Je ne le comprends pas. I don't understand this. Je ne suis pas ton père. I'm not your father. Je n'y crois pas vraiment. I don't actually believe that. Je n'ai rien à dire. I have nothing to say. Je suis vraiment vieux. I'm really old. C'est très gentil à vous. That's very sweet of you. C'est la même chose pour moi. It's the same to me. Comment va ta famille? How's your family? Quel est son nom? What's his name? J'ai vraiment beaucoup appris. I really did learn a lot. Je ne sais pas bien nager. I am poor at swimming. Il n'y était même pas. He wasn't even there. Comment s'est passé ton été? How was your summer? Tu ne me crois pas? Don't you believe me? Tout le monde est fatigué. Everybody's tired. Je serai avec toi pour toujours. I'll be with you forever. Où est tout le monde? Where is everybody? J'ai entendu quelqu'un parler. I heard somebody talking. Ne parle pas boulot avec moi. Don't talk shop to me. J'ai eu un mal de tête. I had a headache. Il a une bonne vue. He has a good eyesight. Je n'ai rien entendu. I've heard nothing. Il est grand et beau. He's tall and gorgeous. Je le fais tout le temps. I do it all the time. J'ai acheté un nouveau sac. I bought a new bag. Mieux vaut ne pas y aller. You had better not go. Elle n'en parle jamais. She never speaks about that. Elle veut te parler. She wants to talk to you. Tu comprends vite. You catch on quickly. Ils me l'ont donné. They gave it to me. Pense aux enfants. Think about the children. Je ne comprends pas même ça. I don't even understand that. C'est grand. It's big. Il parle français. He speaks French. Je voulais vous le dire. I wanted to tell you. Il y est allé en personne. He went there in person. C'est ici qu'elle vit. This is where she lives. Je le vis avec vous. I saw him with you. J'ai oublié qu'il a dit. I forget who said it. Et vous? How about you? Faites bon voyage. Have a nice trip. Vous ne pouvez pas venir demain. You can't come tomorrow. Encore un petit peu. Just a little more. C'est un fait. That's a fact. Je le connais très bien. I know it very well. Je n'ai pas beaucoup de temps. I don't have much time. Tout le monde le sait. Anybody knows it. Je vais bien, et toi I'm fine. How about you? Ça ne me regarde pas. This doesn't concern me. Ce livre est à toi. This book is yours. Cela ne se dit pas. That's not a proper thing to say. Assez pour aujourd'hui. That's enough for today. J'ai très peur. I fear so. Il me faut vraiment y aller. I really have to go. Je suis heureux de te voir. I am happy to meet you. Personne ne parle avec moi. Nobody speaks to me. Ma tête me fait vraiment mal. ⁇ My head really aches. ⁇ Je fais ça pour vivre. ⁇ I do this for a living. ⁇ C'est trop difficile. ⁇ It's too difficult. ⁇ C'est si grand. ⁇ It's so big. ⁇ Je veux faire ça. I want to do this. Je suis comme ma mère. I am like my mother. Je suis venu, non? I came, didn't I? Il a acheté une nouvelle voiture. He bought a new car. Moi non plus. Me neither. Il est bon en anglais. He is a good speaker of English. Et toi? And you? Je me trouve juste derrière lui. I'm right behind him. Je le fais pour elle. I'm doing this for her. J'ai une question. I have a question. Ce n'est pas une mauvaise chose. It's not a bad thing. Je veux jouer, moi aussi. I want to play, too. Il n'y était même pas. He wasn't even there. Il s'est acheté un chien. He bought himself a dog. Je pense que c'est mieux. I think that's best. C'est tout ou rien. It's all or nothing. Je suis un homme. I'm a man. C'est mon livre. The book is mine. Il lui faut parler anglais. He needs to speak English. Personne n'était chez nous. Nobody was home. J'ai du temps. I have some time. Vous n'êtes pas encore mort. You're not dead yet. Je suis toujours à l'école. I'm still in school. Je suis beau. I'm beautiful. Vous n'êtes pas vous-même. Aujourd'hui. You're not yourself today. J'ai acheté un livre hier. I bought a book yesterday. Le garçon a appris à lire. The boy has learned to read. Je ne sais pas où c'est. I do not know where it is. C'est mieux que rien. Better than nothing. Ils étaient tous heureux. All were happy. Je vous ai demandé de partir. I told you to leave. Personne n'a demandé. Nobody asked. Il est aussi grand que moi. He is as tall as I. Je vois mal. I have weak sight. Elle travaille beaucoup. She works a lot. Nous devons partir demain. We must leave tomorrow. Hier, il a écrit une lettre. He wrote a letter yesterday. Vous ne devez rien à personne. You don't owe anybody anything. Et toi? What about you? Je déteste faire ça. I hate to do this. C'est tout ce que je sais. That's all I know. J'ai trouvé où elle est. I found out where she is. Il est plus fort que moi. He's stronger than me. Mais en fait c'est très fort. But it's very strong actually. Ça n'a simplement aucun sens. It just makes no sense. C'était avant et c'est maintenant. That was then and this is now. Il a lu ce livre hier. He read this book yesterday. Où va ce livre? Where does this book go? Café ou thé? Coffee or tea? On a perdu beaucoup de temps. Much time was wasted. Je n'aime pas ça non plus. I don't like that either. Nous avons deux filles. We have two daughters. Elle parle vraiment bien l'anglais. She speaks English really well. Ce fut son meilleur temps. It was his best time. À qui sont ces chaussures Whose shoes are these Je te dois beaucoup. I owe you a lot. Je ne vis pas par ici. I don't live around here. Je peux seulement parler pour moi. I can only speak for myself. Il vient de partir. He just left. Tu ne me dis jamais rien. You never tell me anything. Tout le monde est d'accord. Everyone is agreed. Mon père travaille ici. My father works here. Faites un bon voyage. Have a nice trip. Je n'ai pas de petite sœur. I don't have a younger sister. Il semble être heureux. He seems to be happy. Il aime parler de lui. He likes to talk about himself. Je n'ai rien fait de mal. I did nothing wrong. Rien n'est jamais bien. Nothing is ever right. Je ne me sens pas bien. I'm not feeling well. Je n'ai pas besoin de voiture. I don't need a car. Je ne m'en rappelle rien. I don't remember anything about that. Je suis après manger. I am eating. Elle a acheté une nouvelle voiture. She bought a new car. C'est une mauvaise personne. She is a bad person. Il nous faut partir. We have to go. Qui est ce garçon? Who is that boy? Je n'ai pas le temps. I don't have time. Tu ne peux pas faire ça. You cannot do this. Personne ici ne dispose de voiture. No one here has a car. J'ai laissé sortir le chien. I let the dog out. Personne ne le fait mieux. Nobody does it better. Je le fais tout le temps. I do it all the time. J'ai quelque chose à vous dire. There's something I have to tell you. Il te faut être fort. You must be strong. Je n'ai peur de rien. I am not frightened of anything. Ils sont juste derrière moi. They're right behind me. J'ai déjà dit non. I've already said no. Père et frère. Father and brother. Je viens juste de le voir. I saw him just now. Tu as encore beaucoup à apprendre. You still have a lot to learn. On peut leur faire confiance. You can trust them. Je suis là. I'm here. Tout ça est dans ta tête. It's all in your head. J'étais seule sans elle. I was lonely without her. Tout le monde est chez lui. Everybody's home. De fait, elle est ma sœur. As a matter of fact, she is my sister. Je ne connais pas ce mot. I don't know that word. Moi non plus. Me neither. Il n'est plus ce qu'il était. He is not what he used to be. Nous devons faire quelque chose. We must do something. Il nous faut juste le faire. We just have to do it. Je n'y peux rien. I can't help. C'est juste ainsi. That's just the way it is. Tu as l'air d'un garçon. You look like a boy. Quelle belle femme. What a beautiful woman she is. Ça n'a pas de sens. This doesn't make sense. Plus personne ne parle cette langue. No one speaks this language anymore. Je voudrais manger. I would like to eat. Je veux prendre mon petit déjeuner. I want to have my breakfast. Je veux vous apprendre quelque chose. I want to teach you something. Elle doit trouver du travail. She must find work. Tu n'es pas ma mère. You're not my mother. J'ai besoin de beaucoup de livres. I need many books. J'ai beaucoup d'argent. I have a lot of money. Il m'a laissé m'en aller. He let me go. Je sais exactement comment c'était. I know exactly how it was. Regarde cette maison. Look at that house. Je serai une bonne fille. I'll be a good girl. Il travaille beaucoup. He works a lot. Elle me manque tellement. I miss her so much. Je te crois vraiment. I do believe you. Quel est son nom? What's his name? Je sais qu'il est occupé. I know he is busy. Je rêve assez souvent de vous. I dream about you quite often. Vous êtes très bon. You're very good. Il n'y a que moi ici. There's no one but me here. Votre chien est très gros. Your dog is very big. Je ne veux pas vous voir. I don't want to see you. On a perdu sur ce travail. We lost on that job. Nous allons tous bien. We're all okay. Mes enfants sont à l'école. My children are in school. Je sais ce que tu penses. I know what you're thinking. Vous êtes ma mère. You are my mother. J'ai dû tout faire toute seule. I had to do everything by myself. Je ne vous envie vraiment pas. I really don't envy you. Ça fait quoi How does it feel? Tu n'as pas l'air très bon. You don't look very good. Cela ne peut pas être vrai. That cannot be true. Je ne sais rien encore. I don't know anything yet. Je pense que c'est vrai. I think that it's true. Tu ne me dis jamais rien. You never tell me anything. Vous devriez aller lui parler. You should go talk to her. Elle est tellement grande. It's so big. J'ai beaucoup de travail à faire. I have a lot of work to do. Je ne sais s'il le sait. I don't know if he knows it. Je vais faire de mon mieux. I will do my best. Je ne travaille pas ainsi. I don't work like that. Je ne parle pas français. I don't speak French. Je savais qu'ils étaient vos amis. I knew they were your friends parler français est difficile. speaking french is difficult. il est venu. he came. il est très jeune. he is very young. ça vous a fait mal? did it hurt? elle veut quelque chose de plus. She wants something more. Tu as été mon ami. You were my friend. Je veux voir le film. I want to watch this film. Aujourd'hui, je vais bien. I feel well today. Je n'ai pas de travail. I'm unemployed. Tu devrais aller chez toi, maintenant. You should go home now. Il ne l'a jamais plus vu. He never saw him again. Nous en avons tous été là. We've all been there. Sans vous je ne suis rien. Without you I am nothing. Je connais très bien votre frère. I know your brother very well. La vie est belle. Life is beautiful. J'ai été aussi surpris que toi. I was as surprised as you. Je ne veux pas lui dire. I don't want to tell him. Il se fait vieux. He is getting old. Par là. That way. J'ai eu un mal de tête. I had a headache. Elle a peur de la nuit. She is afraid of the dark. Je ne comprends pas votre question. I don't understand your question. Elle parle aussi le français. She also speaks French. Je suis très heureux d'être ici. I'm very happy to be here. C'est tout nouveau. It's brand new. Je ne veux pas le savoir. I don't want to know. Quel est son nom? What's his name? C'est une bonne question. This is a good question. C'est très vrai. This is very true. Il s'est décidé à y aller. He made up his mind to go there. Je n'ai pas ce livre. I don't have this book. Quelqu'un est à la porte. Someone is at the door. C'est comme ça que c'est arrivé. That is how it happened. Je me sens seul. I feel lonely. Je veux juste aller à l'école. I just want to go to school. On a perdu sur ce travail. We lost on that job. Je l'ai fait pour vous. I did it for you. Il m'a demandé mon nom. He asked me what my name was. C'est ce que je pensais. Actually. That's what I thought. Ça m'a fait peur. It sure scared me. Tu dois venir avec moi. You have to come with me. Quoi, qui, moi? What, who, me? Je sais où tu vis. I know where you live. On est arrivé en même temps. We got there at the same time. Il avait une fille. He had one daughter. Il était seul dans la maison. He was alone in the house. Quelque chose ne va pas ici. Something's wrong here. Je sais que vous avez peur. I know you're scared. Je veux venir. I want to come. Je dois y aller maintenant. I have to go now. Tout le monde est si occupé. Everybody's so busy. Fais comme chez toi. Please make yourself at home. Je sens que je suis libre. I feel that I am free. Je me suis perdu. I got lost. Je ne sais pas vraiment. I don't really know. Je le préfère comme ça. I prefer it that way. Je vais bien. I'm all right. J'ai déjà fini mon travail. I've already finished my work. Il me faut le savoir. I need to know. J'ai besoin d'une réponse. I need an answer. Il m'a tout dit. He told me everything. J'ai déjà dit non. I've already said no. Ça va aller. I'm going to be alright. Je vois ta maison. I see your house. Ne me parle jamais plus. Don't ever talk to me again. Un garçon ou une fille? Is it a boy or a girl? Où est mon livre? Where is my book? Sois un homme. Be a man. C'est mon père. He is my father. J'étais très fatigué aujourd'hui. I was very tired today. Hier, j'ai rencontré tes parents. I met your parents yesterday. C'est trop difficile. It's too difficult. J'ai vu mes amis hier. I saw my friends yesterday. C'est vrai. That's a good point. Je n'aime pas cette femme. I don't like that woman. C'est un très bon thé. This is a very good tea. Le déjeuner sera bientôt prêt. Lunch will be ready soon. Elle l'a laissé s'en aller. She let him go. Il m'a écrit hier. He wrote to me yesterday. Ce n'est pas juste. This isn't fair. Je ne me sens pas bien. I don't feel well. C'est difficile à dire. It's hard to tell. Le plus tôt sera le mieux. The sooner, the better. Fais comme bon te semble. Do as you want. Allons déjeuner. Let's have lunch. Elle a perdu ses deux parents. She lost both her parents. Je suis un homme. I am a man. C'est une très belle fille. She is a really nice girl. Ce n'était pas moi. It wasn't me. Où se trouve ton père? Where is your father? Je vous aime. I love you people. Nous vous avons appelé. We called you. Non, ce n'est pas bien. No, it's not right. Elle m'a dit où aller. She told me where to go. Ils ont peu de livres. They have few books. Je suis vraiment très fatigué aujourd'hui. I'm really tired today. Je vois une maison. I see a house. Nous avons été amis. We've been friends. Sans vous je ne suis rien. Without you I am nothing. Cela c'était avant et ceci, maintenant. That was then and this is now. Je lui ai dit quoi faire. I told her what to do. Cette fille ressemble à sa mère. That girl looks like her mother. Ta réponse n'a aucun sens. Your answer does not make sense. Il ne parle pas anglais. He doesn't speak English. C'est aussi ce que je pensais. That's what I thought too. Tout juste. Nice timing. Je suis trop vieille pour toi. I'm too old for you. Vous devez y aller aussi. You should go too. Tu fais quelque chose demain soir? Are you doing anything tomorrow night? Il se pourrait que je reste. I might stay. Tu peux prendre ton temps. You can take your time. Tu as été mon ami. You were my friend. Je déteste cette voiture. I hate this car. Je ne fais que mon travail. I'm just doing my job. N'en parle à personne. Don't talk to anybody about this. Elle n'a rien dit. She did not say anything. Je n'y suis pas très bon. I'm not very good at it. Ce n'est pas ton monde. You don't belong here. Il est temps d'y aller. It's time to go. Je le connais très bien. I know him very well. Qui a eu cette idée Who had this idea Ce n'est pas mon problème. That's not my concern. Elle est très belle. She's very pretty. J'ai dû sortir de la maison. I had to get out of the house. Elle se porte fort bien. She is really in good health. Je ne vous connais plus. I don't know you anymore. Quel est le problème? What's the problem? Je n'ai rien fait. I did nothing. Tu ne dois pas partir maintenant. You must not leave right now. Je veux aussi savoir. I also want to know. Je ne veux pas travailler aujourd'hui. I don't want to work today. J'ai besoin de beaucoup de livres. I need a lot of books. Je les vois. I see them. Je n'en savais rien jusqu'à peu. I didn't know about that until quite recently. Je parle aussi bien français qu'elle. I speak French as well as she does. Mon fils sait lire l'heure. My son can tell time. Nous en avons fini. We're done. Je serai toujours avec vous. I will always be with you. Où est ton père maintenant? Where's your father now? J'ai besoin de plus de temps. I need more time. Nous n'avons vu personne. We didn't see anybody. C'est ici? Is it here? Où est ta chambre? Where is your room? Je veux simplement regarder ça. I just want to watch this. Moi non plus. Neither am I. Un pour tous, tous pour un. One for all, all for one. Je peux partir maintenant. May I leave now? Il faut que je voyage. I need to travel. Ça a l'air bon. This looks good. Je veux voir le film. I want to see the movie. Tout le monde sera heureux. Everyone will be happy. Ils sont juste derrière vous. They're right behind you. Il me le faut aujourd'hui. I need it today. Je suis français. I am French. Tout le monde connaît la nouvelle. Everybody knows the news. Je ne le comprends pas. I don't understand this. Les enfants ont besoin de jouer. Children need to play. Il a peu d'argent sur lui. He has little money with him. Ton chien est très gros. Your dog is very big. Je sais tout. I know everything. Je ne vais rien y faire. I'm not going to do anything about it. Nous avons assez d'argent. We have enough money. Je veux lire ce livre. I want to read this book. Ne lui en parle pas. Don't tell her about it. Je veux voir ceci. I want to see this. Je vais être votre professeur. I'll be your teacher. J'ai laissé sortir le chien. I let the dog out. Je l'ai fait pour vous. I did it for you. Il dit que je dois partir. He said that I must go. Il sera bientôt trois heures. It'll soon be three o'clock. C'est trop. That's too much. Je me trouve juste derrière vous. ⁇ I'm right behind you. ⁇ J'ai vu quelque chose. ⁇ I saw something.